Coucou les amis, j'ai un petit truc à dire. Enfin, c'est assez grave en fait. Là, j'ai découvert dans mon corps trois grains de beauté qui n'étaient pas là le mois dernier. C'est pas possible, regardez. Ça y est, j'ai un grain là, un grain là, un grain là. J'ai le triangle. J'ai le triangle. Aïe, aïe, aïe. J'ai le flip. J'ai le flip. Vous savez ce que ça veut dire, évidemment. Parce que là, c'est pas nouveau, c'est que je me suis fait abducter. Il y a des gens qui se font abducter, et du coup, c'est comme adopter, mais il y a deux forces, en fait. C'est-à-dire, tu vas dans un vaisseau spatial, et tu sais plus ce qui se passe. Voilà, tu arrives, t'es dans ton lit, on te met là-haut, et pouf, tu fais des trucs, ou te font des trucs, et tu te reviens, et tu te rappelles pas. Oh, c'est grave. L'abduction, c'est grave. On devrait militer, parce que c'est de la maltraitance, d'être extraterrestre à être humain. Mais bref, donc en l'occurrence, j'ai ça, voilà. Et savez qu'il y a trois fonctions principales. Tu as les grains de beauté sur le bras, voilà, c'est peut-être bricoleur, tu répares les choses du vaisseau, tu fais l'électricité, tu fais la plomberie, tu fais la maçonnerie dans le vaisseau spatial, voilà. Si c'est sur le genou, les jambes, c'est que tu es un combattant, voilà. Sur le plus haut, par là, tout ça là, ben, ça va être tes reproducteurs. Si t'es plutôt sur le ventre comme moi, et ils savent que je suis cuisinier sans doute pour la Confédération Galactique d'Ashtar, parce que ben, leur bouffe là-haut, il n'y a pas de verdure, ni de Cantal, ni rien. Et donc ils se disent, bah tiens, voilà, il va nous cuisiner les bonnes choses du Cantal, le gars là. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Mais il faudrait peut-être me laisser les souvenirs, parce que là, pour mon CV sur Pôle emploi, ça m'aiderait bien, quoi. Je suis là comme ça se trouve, je fais des trucs incroyables et tout. Ça se trouve, j'ai des amoureuses extraterrestres incroyables. Je ne sais pas, aucune idée de ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là-haut. Et en tout cas, c'était pas là il y a un mois. Donc, forcément, ça me questionne. Je veux avoir la vie des naturopathes parce que j'ai découvert, et beaucoup de gens le découvrent. C'est tout frais, hein. Les grains de beauté circulent. Je suis sûr que vous avez entendu l'info. Ça bouge, ça circule. C'est un truc de fou. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Moi, je sais que les bouddhistes, par exemple, ils disent. Mon pote le Dalai Lama, Dalai Lai Lai, et on le voit à Toulouse parfois quand il vient faire une conférence, il nous dit, sur les mains, il y a des grains de beauté pour dire c'est des grandes âmes réincarnées, tout ça, tout ça. Si t'as des grains de beauté sur les mains, c'est bien. Bon, après, sur les bras, aussi, c'est bien, voilà. Si t'en as un sur le cul, par contre, t'es pas très bien, là. Ça veut dire que bah, t'es un peu con, quoi. Donc, je te souhaite pas d'en avoir sur le cul. Mais sinon, bon, voilà, c'était la petite histoire. C'est un message, bien sûr, si je me venais à ne plus revenir. Parfois, il y a des pannes là-haut. Il y a des pannes de téléporteurs. Si je reviens plus, ne vous inquiétez pas. Je suis dans le vaisseau de Ashtar, mon pote Ashtar. On fait la fête et est-ce que Ashtar? Est-ce que Ashtar? Est-ce que Ashtar? Ashtar, le gars qui est le chef des extraterrestres. Tout ça pour ça. Tout ça pour faire ce jeu de mots. Oh mon Dieu, j'avais trop envie de le faire ce jeu de mots-là, voilà, c'était la blague du soir. Mais bon, ça me questionne quand même les grains de beauté. Mais c'était vraiment pour faire le jeu de mots aussi. Ashtar, c'est marrant les noms qu'ils donnent les gars du truc spirituel. Oh purée. Ah, Ashtar, Ashmashtar, c'est pas facile à trouver un jeu de mots. Il fait la fête. Et ce couche tard, bon voilà. Salut! Non mais sérieux, on sait jamais, hein. Voilà, si je disparais vraiment, hein, vous savez que ça roule, que je suis bien traité là-haut, enfin j'imagine, sinon j'aurais des scarifications et j'aurais mal partout quand je me réveillerai, quoi. Là, je pense que je suis bien nourri et peut-être même qu'il y a une copine là-haut, je sais pas, moi, on verra bien. Ciao!